Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis réveillée depuis une bonne grosse demi-heure, même un petit peu avant. J'ai fait mon thé, je vais le boire en haut en train de me maquiller et j'ai fait une montagne de pancakes. Tadam! Donc je vais mettre ça à table, on va manger ça ce matin. En fait, je me suis dit, en fait, ce matin, j'ai pas du tout eu de mal à me réveiller. Et j'étais un petit peu en avance, donc j'ai dit, allez, je vais faire des pancakes. Au début, je me suis dit, est-ce que je fais, je décongèle des croissants, des pains au chocolat, j'en ai au congèle. Ou alors, est-ce que je fais des pancakes? Et j'ai dit, tiens, j'ai des œufs à passer. Donc on va faire des pancakes. Donc là, il y en a, je dirais, une bonne dizaine. Ma recette, elle se fait avec 3 œufs. Et franchement, parfait. Je l'ai fait avec l'appareil, vous savez, à crêpes. Donc ça va carrément plus vite. J'en ai un qui chauffe très vite et au moins ça fait des beaux pancakes tout ronds parce que pareil, je suis une toquée là-dessus. Donc voilà. Trop cool. Je vais tout sortir, le Nutella, la confiture et tout comme ça sera tout. Ça sera tout prêt à table. Qu'est-ce que je voulais dire? Les filles dorment encore. Romy a pris son bibi à minuit. Il est 7 h. Elle l'a pas redemandé. On est pas mal. Je pense que ça va pas tarder par contre. Mais ouais, minuit et puis depuis minuit elle dort quoi. Donc trop cool. Allez, je vais me préparer. Je bois mon thé. Je vais préparer. Non, avant ça, je prépare le Nutella, tout ça. Ça au moins, dès que je redescends, tout est prêt et on peut déjeuner. Désolée, je fais du bruit. Ah oui, faut que je vous montre, mais je vous montrerai tout à l'heure. Je vous ai pas montré la couverture de Cali, son sac, etc., etc. Je vous montrerai tout à l'heure. Il fait beau, il n'y a pas de nuages, mais par contre il fait frais. Mais ça, on le savait. Hein, donc ça sera petite veste en jean pour ce matin. Voilà, tout est prêt là, dans l'entrée. Oui, et je pense que ça se voit, mais je suis excitée. Pourtant, c'est pas moi qui rentre à l'école, hein, mais je suis excitée. Allez, let's go. Et ben voilà, on est pas mal. Tout est prêt. Confiture, Nutella, le jus de fruits, Lactimel de Doudou. Ben voilà, on aura juste à faire couffer le café de Doudou. Les chocolats sont faits, mais je les ai trop fait chauffer, donc ils auront le temps de refroidir. Les filles se lèvent d'ici un quart d'heure, donc c'est très bien. Et puis les petites vitamines. Et puis voilà. Let's go. Je suis excitée, c'est un truc de fou. Je vais me faire une tranche. Et bah ça y est, les filles ont été déposées. Aria chez Nounou en premier. Et puis après, on a déposé Cali. Je dis on, c'est parce que j'étais avec Romy. Hein. Aria, ça a été un petit peu compliqué puisque elle ne comprenait pas pourquoi Cali ne restait pas avec elle chez Nounou. Vu que mardi et enfin lundi et mardi, elle est allée chez Nounou avec sa sœur, elle comprenait pas. Alors que je lui avais expliqué, hein, mais bon. Quand on est monté à pied, je lui ai dit, tu sais, tu vas chez Nounou et Cali, elle va à l'école. Oui. Et puis arrivée chez Nounou, voilà. Bon, je suis partie, elle était un petit peu en pleurs, mais la nounou m'a envoyé un message 2 minutes après en me disant, vous inquiétez pas, tout va bien, elle joue, elle m'a envoyé des photos et tout, donc je m'inquiète pas du tout. Mais c'est vrai que, en fait, ça me fait mal au cœur de la voir comme ça, mais je sais que plus je reste, plus c'est compliqué pour elle. Donc voilà, on est vite parti avec Cali. Cali, bah, écoutez, comme d'hab, hein, ça s'est très bien passé. En fait, elle connaissait la maîtresse déjà, donc c'était cool parce que c'était une maîtresse qui travaillait en binôme avec sa maîtresse de l'année dernière. Donc dès qu'elle l'a vue, elle a eu aucun souci à aller dans sa classe. Elle a 2, 3 copines qui étaient avec elle l'année dernière, donc elle les a retrouvées, elle était trop contente. J'avais pas eu la liste, j'avais juste eu ça, en fait j'avais juste eu un petit papier en me disant voilà, elle est dans la classe de Manon et je savais pas s'il y avait des copines à elle et en fait elle en a retrouvé donc elle était trop contente. Et puis voilà, à 11 h 30 je vais aller la récupérer. Je lui ai proposé de faire un McDonald's de rentrée et je l'ai laissée dans sa classe. Elle m'a dit au revoir maman, à tout à l'heure pour le McDonald's. Voilà, la maîtresse était morte de rire, enfin bref. Donc voilà, donc je vais aller la récupérer à 11 h 30. Et puis on ira chercher McDo et puis on viendra manger à la maison et tranquillou. Tranquillou, voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais changer Romy. Je vais faire un petit peu le ménage en haut, faire les lits et tout. Et puis tout à l'heure, sur les coups de 10 h 15 à peu près, je partirai. Je dois passer à mon boulot pour déposer des papiers, pour récupérer mes chèques vacances et tout.
Donc voilà, on va y aller. Ah, mon chat, Goji. Puis je vais ranger l'appareil à crêpes aussi, parce que je l'avais mis dehors pour qu'il refroidisse. Donc voilà, en tout cas, le petit déj matin, ça s'est très bien passé. Les filles étaient trop contentes d'avoir des crêpes. Alors il en reste pas mal, hein, parce que bah, j'en avais. En fait, je fais toujours la même préparation avec 3 œufs, du lait et tout. Et ça en fait pas mal quand même. Mais bon, là, c'est pas grave, on en mangera pour le goûter, ça sera très très bien. Voilà, je vais m'attacher les cheveux là, je vais me mettre une barrette. Et puis après, on est parti. Un petit brin de ménage en haut pour que ce soit nickel. Et puis, ouais, je vous dis sur les coups de 10h, 10h15, je sais pas. Je cadrerai pas, pardon. 10h15, je partirai direction le boulot. Voilà. Voilà. Allez, let's go. Je viens de rentrer de l'école. J'ai redéposé Cali. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas filmé, mais ça a été grave la course entre midi et 2. J'avais dit à Cali, on se mange Burger King ou McDo. Je lui ai proposé, elle a voulu Burger King. Il y avait. Alors, il n'y avait pas tant de monde que ça parce qu'il y avait 3 voitures qui attendaient au drive. Mais franchement, j'aurais su, je n'aurais même pas fait la queue au drive, je serais rentrée dans le. Et encore, il y avait de la queue aussi dedans. Mais ça a pris un temps fou. Je suis sortie du Burger King à 12h35. Et en fait, au bout d'un moment, j'étais dans la queue. Je me dis, mon Dieu, mais je peux même pas sortir. En fait, je suis obligée de passer. Dès que t'es dans le drive, c'est mort. Donc, je regardais l'heure tourner et tout. Je dis, c'est pas possible. On est arrivé à la maison, c'était 1h moins 20. Donc, on a mangé. Le bibi de Romy tombait à midi et demi. Donc, je lui ai donné. J'ai mangé mon hamburger froid. Enfin, bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Je pense que je ne suis pas la seule à m'être dit. Amity, c'est Burger King ou McDo. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est pas grave. J'ai pu la déposer à l'école. Elle était à l'heure. Il n'y a pas eu de souci. J'ai vu sa maîtresse de l'année dernière qui a rencontré Romy. Et puis, j'ai vu la Tsem également de l'année dernière. Enfin, bref, voilà. Voilà. Romy est au dodo. Je l'ai mis dans son lit pour la sieste. Je vais faire un petit peu. Alors, j'attendais un colis aujourd'hui de Amazon. Il a été livré, mais je n'ai rien. Alors, je ne sais pas à qui le facteur l'a laissé. S'il l'a laissé au voisin, la voisine, ou je ne sais pas. C'est un cadeau de ma belle, de mes beaux-parents pour la naissance de Romy. Je vous montrerai tout ça. Ça fait un moment qu'il me faisait de l'œil. J'ai trop hâte de l'avoir. Et sinon, qu'est-ce que j'ai eu là? Mon robot et moi. Je vais l'ouvrir et de la poube. Centre à corps, Général d'optique, la Farfouille, Netto, Brico au marché et Intermarché. Et sinon, je vais enlever ça parce que il fait super chaud cet après-midi. Cali d'ailleurs s'est changée, elle a pas voulu garder son pantalon et son t-shirt. Elle a mis une petite robe de Kiabi, là, la dernière que j'ai achetée. Elle était trop contente d'y aller en robe. Et d'ailleurs, on est monté à pied à l'école. Je suis allée la chercher en voiture, mais après, on est monté à pied. Et tout à l'heure, je vais monter à pied pour aller chercher Aria. Donc, on récupère Aria avec Romy. Et après, on va chercher Cali à l'école et on redescendra à pied. Voilà, ça nous fera du bien, ça fera marcher un petit peu. Et puis là, j'ai bientôt atteint les 10 000 pas, en fait. Donc, c'est cool. Là, c'est ma voisine. Je suis sûre que c'est ma voisine qui a récupéré le colis. On verra s'ils viennent toquer ou pas. Je voulais aller donner un coup d'aspirateur dans ma bagnole, enfin dans la voiture de Renault. Parce que chacun a sa voiture. Moi, j'ai la 508 et lui, la 5008. Mais je vous avoue qu'avec les 3 filles, j'utilise plus la 5008. Et je voulais passer un coup d'aspirateur. Donc, je pense que je vais le faire là maintenant. Ça sera fait parce qu'il y a bien besoin, vraiment. Vraiment, vraiment. Bon, bah c'est bien ça. C'est mes voisins qui l'avaient récupéré. Trop cool, ça m'évitera de courir à la poste. Bon, je vous ouvre le colis et je vous montre. J'ai trop hâte. On le voit passer partout. Hein. Je vous l'annonce. Mais en fait, moi, ça faisait un petit moment que Oui, mes yeux. En fait, depuis la naissance de Cali, je le voulais. Et ben voilà. Tadam! Je suis trop contente. Il est magnifique. Alors, j'entendais de partout qu'on disait qu'il était très gros, mais enfin très grand, d'une grande capacité. Et effectivement, il est immense, quoi. C'est trop cool. Donc, c'est le premier. À mon avis, je vais investir dans d'autres parce qu'en fait, quand vous partez en week-end, c'est très pratique, ça. Vraiment très pratique. Dedans, il y a pas mal de poches de rangement et tout. Il y a un tapis de linge. Trop, trop cool. Et il est magnifique. J'avais peur un petit peu sur le côté léopard et franchement, il est trop, trop beau.
J'adore. Donc ça, quand on partira en week-end pour mettre les affaires des filles ou même les miens, ça va être trop cool. Voilà. Je vais envoyer une petite photo à ma belle-maman pour la remercier. Et j'adore. Trop, trop beau. Je l'adore. Bon, il est 18h45. Je suis en train de faire le repas. Oui, descendez les filles. C'est la course. C'est la course. Moi, je me suis changée. J'ai mis une robe parce que j'ai un mal de ventre. Bref, c'est pas bien grave. Hein. Pas grave. Donc, j'ai tout fait sauter. Hein. Le soutien-gorge, j'ai mis une robe. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Je viens d'emmener la poubelle et tout. Oui, mon cœur. Câlin. Ah. Donc, au menu ce soir. Oui, tu peux me faire un gros câlin. Gros câlin d'amour. Ça y est, c'est fini. Encore, encore. Donc ce soir, hein, un cœur d'amour, oui. Tomate mozza pour ce soir et avec ça j'ai fait de. Oui, un cœur d'amour avec les doigts, super. Donc tomate mozza et j'ai fait des courgettes au lait de coco. Toute simple, j'ai pas fait de protéines ce soir. Vous êtes souvent à me demander est-ce qu'on mange tout le temps des protéines le soir, etc. Alors pas tout le temps, mais c'est vrai que j'en fais de régulièrement quand même. Et avec ça j'ai fait du riz. Voilà, donc ça ira très très bien. Tout est prêt, on va pouvoir passer à table. J'ai mis la table. Romy va manger d'ici une heure à peu près. Donc on va manger avant, comme ça au moins ça sera moins la course. Parce que j'ai que deux bras ce soir, je suis toute seule. Mais ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Voilà, vous avez des gobelets. J'ai mis de l'eau avec des glaçons pour que ce soit bien frais. Attends, je vais te mettre ta bavette, mon chat. Et puis en dessert, on mangera certainement des yaourts que j'ai fait. Alors soit crème dessert, soit yaourt. Je verrai ce que les filles veulent. Et puis voilà, voilà, voilà. Et tout est prêt pour demain. J'ai préparé les tenues. Les deux grandes sont lavées. Je mettrai Romy en pyjama tout à l'heure. Et puis c'est tout. C'est tout, c'est tout. Allez, on va manger. Petite tomate mozza. Ça va être trop trop bon. Et je baisse le feu d'ailleurs. Mais les courgettes au lait de coco, oh là là, j'adore ça, moi. J'adore ça et les filles adorent ça aussi. Vous voyez, il y a un peu de sauce et tout avec le riz, ça va être trop bon. Trop, 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 trop bon. Bon, bah écoutez, je me suis posée dans le canapé. Je ne vais pas trop rester parce que sinon, c'est foutu. Je vais rester là. Et je ne veux pas me coucher trop, trop tard. Je vous avoue que je suis fracasse. En fait, j'étais tellement excitée ce matin. Je me suis levée super tôt et tout, mais je suis fracasse. Donc, je vais faire le montage du vlog et je vais aller au dodo. Je voulais juste un petit peu revenir un petit peu sur la journée. Ça s'est très bien passé. Kali, très, très bien. Elle est trop contente. Elle est avec sa copine Luna, etc., etc. Donc, trop contente. La maîtresse, elle est trop, trop cool et elle est trop, trop belle, maman. Et Aria, bah, la nounou, ça s'est bien passé, voilà. Ça a un petit peu un petit chagrin le matin quand je l'ai déposée. Mais je vous dis, deux minutes après, j'avais un texto de la nounou pour me dire, vous inquiétez pas, elle joue, tout va bien, elle a le sourire. Voilà, des fois, je me dis, est-ce qu'ils font pas ça pour nous faire culpabiliser? Donc voilà pour ça. Donc demain on est reparti pour une nouvelle journée. École, nounou. Doudou est en télétravail. Donc je pense que c'est peut-être lui qui amènera les filles. J'ai Goji qui gratte à la fenêtre. Deux secondes, Goji. Qui emmènera les filles à l'école et chez nounou. Et puis moi j'ai un rendez-vous pour mes cils. Je vais peut-être tenter le rehaussement de cils, je vais voir. En fait, la personne qui fait les ongles le fait. Et j'avais pris un rendez-vous pour qu'on en dispute. Non, qu'on en discute et pas qu'on en dispute. Donc, on verra demain. Je vous dirai tout ça demain. Parce que moi, j'ai vraiment... En fait, j'ai absence de cils. C'est un truc de fou. J'ai beau mettre du mascara, tout ce que tu veux, etc. C'est une catastrophe. Donc, si elle peut faire quelque chose pour moi, ça serait cool. Voilà pour tout ça. Et sinon, bah, comme je vous ai dit ce matin, je suis passée à mon boulot. J'ai discuté avec mes collègues, j'ai même vu les résidents et tout. J'étais avec Romy, hein, bien entendu. Et y a beaucoup eu de changements, il y a beaucoup eu d'émissions, etc., etc. Ça m'a... Ouais, ça m'a un petit peu perturbée. Ouais,
je me pose des questions. Bon, après, je me dis, alors on a beaucoup qui ont démissionné pour changer de voie suite au Covid et tout et tout. Je pense qu'il y a beaucoup de professionnels qui se sont posé des questions et qui ont décidé d'arrêter ce métier parce que on a vu, on a vécu des choses qui n'ont pas été simples et je pense que ça peut tout remettre en question. Moi, je vous en ai déjà parlé brièvement, mais pendant le Covid, j'ai vécu des choses, des scènes que je ne souhaite à personne. Des fois, j'y repense et je me dis, mais mon Dieu, quoi. Voilà, donc je pense que ouais, il y en a qui ont, ouais, qui peuvent se dire, bah, en fait, je veux plus ça, quoi. Et je le comprends complètement, complètement, complètement. Et ouais, ça me laisse perplexe quand même parce que, alors normalement, si tout va bien, je reprends en décembre. Mais j'en ai déjà parlé, mais en fait, moi, le poste de jour, ça ne me convient pas. Et encore plus maintenant avec les trois filles, parce que ça veut dire que certains week-ends, je ne les verrai pas du vendredi soir jusqu'au lundi matin. J'ai des horaires terminés à 10h30 le soir. Voilà. Donc, alors, le poste de nuit me correspond plus. Là, je vous dis, ça va être contradictoire parce que poste de nuit, ça veut dire qu'à 20h, je pars. Oui, mais à 20h, je pars, mais je peux quand même les coucher, faire le bain, faire tout ça. Vous voyez, je travaille quand elles dorment. Donc, en soi, je ne loupe rien. Alors que quand je fais des journées à rallonge, à bosser en 12 heures, que je finis à 10 heures, enfin, que je commence à 10h30 pour finir à 22h30, eh ben, je les vois pas, quoi. Voilà, donc voilà. Alors, j'ai le temps, j'ai 3 mois pour poser le pour, le contre, voir ce que je fais, quitte à reprendre un petit peu de jour et puis après basculer sur un poste de nuit. Mais ouais, j'y pense quand même un petit peu parce que voilà. Hein, après, je m'inquiète pas du tout. Hein, vu toutes les annonces de postes d'aide-soignants que je vois en nuit ou en jour, je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète vraiment pas, il y a du boulot. Voilà, donc bon, j'ai le temps de voir venir. Hein. En attendant, je profite. J'amène mes louloutes à l'école le matin, je vais les chercher le soir, etc., etc. Et d'ailleurs, pour répondre à une question, parce que ça, on m'a posé la question, pourquoi tu ne prends pas un congé parental, puisque financièrement, ce n'est pas possible. Déjà, premier point, financièrement, ce n'est pas possible. Et autre chose, j'adore mon métier. J'ai vécu des choses qui sont pas simples durant le Covid et même avant. Mais j'adore mon métier. J'adore. Il y a un moustique qui me vole dessus là. J'adore mon métier. Donc voilà. Alors après, peut-être que je reprendrai pas un poste à temps plein. Peut-être. On verra. Ça aussi, j'y ai pas réfléchi. Mais voilà. Mais la cause, le plus, c'est financièrement. C'est pas possible quoi. Voilà, ça serait trop compliqué. Donc voilà pour tout ça. J'avais autre chose à vous dire. Il y a le chat qui gratte, je vais aller l'ouvrir. Ça fait 5 minutes que je parle et elle doit être derrière la vitre à se dire, mais elle se fout de ma gueule celle-là. Enfin bref. Bon allez, je vais vous faire des bisous, je vais aller me coucher parce que je suis vraiment fracasse. Je vous dis à demain. Ce bouton est en train de partir. Alléluia. Mais alors franchement, attention, ça va être la minute ragnagna. J'ai eu mon retour de couche, donc j'ai re-eu mes règles, etc. Sauf que, en fait, je pense que Dame Nature se venge de ne pas avoir été dans mon corps pendant 9 mois. Et là, c'est du non-stop. Non-stop. Voilà. Et en parlant de ça, rien à voir, je passe du coq à l'âne, mais il va falloir que je fasse un bilan sanguin pour voir mon taux, mon anémie, où elle en est. Voilà, et je dois faire un bilan sanguin complet. Donc à mon avis, ils vont me prendre je ne sais combien de tubes pour voir mes vitamines, tout ça, tout ça. Voilà, parce que j'avais des grosses carences et c'est mon chirurgien qui me demandait ça. Donc il faut que je fasse tout ça. Et je crois qu'il faut que je sois à jeun. Donc j'irai certainement samedi matin. Comme ça, j'y vais à 7h. J'y vais à l'ouverture. Parce qu'avec les tests Covid et tout, j'y vais à l'ouverture et Doudou pourra gérer les filles. Voilà, vous savez tout. Bref, allez, je vous fais des bisous, je vous dis à demain, on se voit demain. Et gros week-end ce week-end, on est invité pour le goûter samedi, on est invité pour le repas samedi soir.
Dimanche, je pense qu'on va être tranquille à la maison. J'avais peut-être envie de proposer à Doudou de faire un brunch, s'il fait beau. Ce serait cool. Allez, je vous fais des bisous.